I don't stand in line, I don't pay for clubs, fuck that, yeah. But I'll wait for you, yeah. I don't like to drink, I don't like to think, fuck that, whoa, yes. But up under you, I'm bending it over. You're my four-leaf clover. I'm so in love, so in love, yeah, yes. There's no one above, up above. Forever. L'ascenseur est tout petit, tout petit. Hop. Alors aujourd'hui rien de spécial, je vais aller faire du shopping un peu, peut-être acheter un petit truc pour ce soir, c'est le premier jour du ramadan aujourd'hui, donc ramadan Moubarak à tous ceux qui le font. Sentimental, couple foreign things flying in and out of LA. I'm not a player, I got a plan. What's up with you, girl? What you saying? Do you wanna roll with it from the land? Let me see you pose for a minute. 5'5" thick thighs busting out of denim. Got bad, way more than a little bit. Probably had me falling in love if it hit. Never had it from the hood, but she knew it. Baby said she. Alors, je suis super excitée. J'ai marché, et quand je vous dis que j'ai marché beaucoup, j'ai marché tout Milan pour trouver cette pâtisserie. Pâtisserie Mourad, elle s'appelle, et c'est dans le secteur Buenos Aires.
Et depuis chez moi, ça prend quand même un peu de temps. Voilà, en tout cas, j'ai pris des bonnes choses. Franchement, je suis trop excitée. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors franchement, j'en connais aucun. Les pâtisseries en Tunisie, elles sont pas pareilles. Ah, peut-être que ça me dit peut-être quelque chose. Et sinon, le reste, je sais pas, ça m'intrigue vraiment. Le truc tout vert. Je sais pas quoi. Je sais pas avec laquelle je devrais commencer. À mon avis, ça c'est de la datte enrobée de chocolat, je pense. Ouais. Et sinon. En fait, j'en ai pris deux de chaque, sauf un. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est celui-là. Donc je vais commencer pour celui-là. Oh, on partout. J'en ai pas une. En vrai, ce qui irait trop bien avec ça, c'est un thé. Faut que je me fasse un thé. J'arrive tout de suite. Bon. J'attends que mon thé il infuse un petit peu. J'aurais bien voulu mettre un peu de menthe dedans, mais j'en ai pas, malheureusement. Alors. Moi, franchement, j'ai envie de goûter celui-là. Le tout vert. Il m'intrigue. Après, faut savoir que d'habitude, j'aime pas... Non, c'est pas vrai. C'est pas que j'aime pas ces pâtisseries, mais je suis pas trop fan de ces pâtisseries parce que je trouve qu'il y a trop de miel, trop de sucre, trop d'amandes, trop de pistaches, enfin trop de tout en fait. Il y a tout dedans. Bon, là je me suis dit c'est le ramadan, alors pourquoi pas. Je vais tester. En fait, j'ai une explosion de saveurs, je sais pas combien de saveurs qui viennent en moi. Le premier, c'est pistache, évidemment. Le deuxième, j'ai l'impression qu'il y a de la pâte d'amande. Et le troisième. Je sais pas. Miel, peut-être. Alors, aujourd'hui, on est dimanche. J'ai fait quelques courses, maintenant je vais les ranger. Ce soir, j'avais envie de cuisiner, donc je vais faire pas mal de choses. Je pensais faire une soupe, une sauce au cumin et peut-être des fricassés. J'aimerais trop faire des fricassés, je vais essayer de les faire. Aussi bon qu'en Tunisie, à mon avis, je vais pas réussir, mais j'ai quand même essayé. Donc j'ai fait pas mal de courses. Je vais les ranger, je vais me poser ici. Ouais, ça va, c'est bien. J'ai deux grands sachets de courses. Pour la soupe ce soir, j'ai pas trouvé de graines d'orge. À mon avis, ils en font pas ici. Alors j'ai trouvé ça tempestine. À mon avis, c'est à la base de pâtes. Je crois que c'est des mini 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 pâtes. Mais on va voir. J'ai acheté ça aussi. C'est un fromage à base de peperoncino, de piment italien. J'ai trop trop hâte de goûter. J'ai acheté de la menthe aussi pour mon thé ce soir. J'ai acheté plein de petites épices aussi, j'aurais trop voulu trouver de... du cumin et du curry, mais j'ai pas trouvé. Je crois que c'est pas trop dans leur cuisine ici. Donc j'ai trouvé un mix pour couscous. Et j'ai regardé les ingrédients dedans. Il y a du poivre,
cardamone, coriandre, cumin, noce moscato, je sais pas ce que c'est. Bon, à mon avis, il doit pas y avoir du curry dedans, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Alors, j'ai préparé ma pâte à fricasser et franchement, je suis trop contente. C'est la première fois que je fais une pâte et qu'elle a aussi bien gonflé. Elle était toute petite de base et là, ça se voit, il y a carrément des bulles d'air et tout. Oh, je vous dis même pas à quel point je suis trop contente. Bon, maintenant, je vais faire des petits boudins. Je vais laisser reposer pendant 40-30 minutes et après, je vais les frire. Je suis vraiment désolée, j'ai totalement oublié de filmer, mais bon voilà, c'est ça, c'est mes petits fricassés. Là je vais commencer à en manger un. Là c'était la shawarma que j'avais fait. On a fait toute une casserole. J'aurais dû mettre un peu plus d'eau parce qu'elle est assez compacte. Je l'ai fait avec du veau. Mais sinon voilà. Je suis trop contente. Mes fricassés, ils ont bien gonflé, ils sont bien moelleux. Sauf que j'aurais dû rajouter un peu de sucre en fait. Parce qu'ils sont un peu fades. Je pourrais pas les manger seule. Il faut vraiment que je mette toute la garniture à l'intérieur. Mais bon. Et j'avais pas trouvé d'harissa. Alors, vu qu'il y a Chinatown juste à côté, j'ai trouvé ça. C'est une pâte de piment coréenne. Bon, ça a totalement pas du tout le même goût, mais voilà. On va dire que c'est une fusion de cuisine asiatique et orientale. Qui est pas mal du tout, en vrai. J'étais en train de faire la vaisselle et regardez qui je vois. Oh là là, ce chat, je vous jure. Hermès. Ciao. Hermès. Il est tellement doux, c'est abusé. Allez, rentre, sinon je t'enferme. Bon, c'est décidé. Je suis en train de me faire un petit thé là et en fait j'ai réalisé que ce que j'avais acheté avant c'était pas du tout de la menthe, c'était de la sauge en fait. Donc voilà, je suis dégoûtée. Encore un soir sans thé à la menthe.